Bonjour à tous, Othmane Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, démarrage par élimination de résistance statorique de temps 1-100. Démarrage statorique de temps 2-100. Statorique 1-100 3 temps. Démarrage statorique 3 temps 2-100 de rotation. Spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, démarrage par élimination de résistance statorique de temps 1-100. Composant schéma de commande, transformateur 230 à 24 volts, disjoncteur bipolaire Q3. Contact NF de relais thermique F1. Bouton poussoir NFS1. Bouton poussoir NOS2. Bobine KM 24 volts KM1. Contact NO de KM1 13 à 14. Contact de relais temporisé NO. Contact NO de KM2 13 à 14. Astérisque composant schéma de puissance. Moins 3 linges de phase. Fusible sectionneur tri Q2. Contacteur KM1, démarrage avec résistance. Contacteur KM2, démarrage sans résistance. Relais thermique F1. Résistance triphasée R2. Le moteur asynchrone triphasé M3. Astérisque fonctionnement. Astérisque une action sur le bouton poussoir S1 excite la bobine KM1 ce qui provoque son auto-alimentation. Le verrouillage du contacteur KM1. Alimentation du moteur sous la tension de la résistance. Mais sous tension le moteur à travers le résistance triphasé. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM1 se ferme et excite la bobine KM2. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé. Astérisque une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM2 et de KM1, le moteur s'arrête. Bonjour à tous, Othmane Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, démarrage statorique de temps 2-100. Composant schéma de commande, transformateur 230 à 24 volts, disjoncteur bipolaire Q3, contact NF de relais thermique F1, bouton poussoir NFS1, bouton poussoir NOS2, bouton poussoir NOS3, bobine KM 24 volts KM1, bobine KM 24 volts KM2, contact NO de KM1. Contact NO de KM2. Contact de relais temporisé 5 secondes de KM1 NO, premier sens. Contact de relais temporisé de KM2 NO, deuxième sens. H1, premier sens. H2, deuxième sens. H3, signifier le fonction de relais thermique. Astérisque composant schéma de puissance. Moins 3 linges de phase. Fusible sectionneur tripolaire Q2. Disjoncteur tripolaire Q1. Contacteur KM1 premier sens. Contacteur KM2 deuxième sens. Relais thermique F1. Résistance triphasée R1. Le moteur asynchrone triphasé M2. Fonctionnement. Astérisque fonctionnement de montage. Astérisque une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1 ce qui provoque son auto-alimentation. Le verrouillage du contacteur KM1. Mais sous tension le moteur à travers de résistance triphasée R2. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM1 se ferme et excite la bobine KM3, celle-ci ferme sec contact de puissance qui court-circuite la résistance triphasée R2. Un action sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM2 qui donne la même cycle décrit précédemment mais la moteur tourne dans le sens contraire car il y a une inversion de deux phases du circuit de puissance. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé. Remarque, astérisque une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM2 et de KM1, le moteur s'arrête.
Astérisque les discontacteurs KM1 et KM2 sont verrouillés mécaniquement et électriquement afin d'éviter les courts-circuits entre phases. Othman Gabardi vous présente chaîne spécialisée électricité industrielle. Cet article traite démarrage statorique 103 temps. Démarrage statorique 103 temps astérisque composant schéma de commande transformateur 230. 24 volts. Disjoncteur bipolaire Q. Composant schéma de commande transformateur 230. 24 volts. Disjoncteur bipolaire Q3. Contact NF de relais thermique F1. Bouton poussoir NFS1. Bouton poussoir NOS2. Bobine KM24V KM1. Bobine KM24V KM2. Bobine KM24V KM3. Contact NO de KM1. 13. 14. Contact de relais temporisé 5. C100 de KM1 NO. Contact de relais temporisé 5 C100 KM2 NO. H1 sur 2 M temps. H2 premier temps. H4 signifie l'absence ou le présence de courant. H3 signifie le fonction de relais thermique. Astérisque composant schéma de puissance. Moins 3 linges de phase. Fusible sectionneur tri Q2. Contacteur KM1. Premier temps. Contacteur KM2 deuxième temps. Contacteur KM3 troisième temps. Relais thermique F1. Résistance triphasée R1. Deuxième temps. Résistance triphasée R2 troisième temps. Le moteur asynchrone triphase M3. Astérisque fonctionnement de montage. Astérisque une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1 ce qui provoque son auto-alimentation. Le verrouillage du contacteur KM1. Met sous tension le moteur à travers deux jeux de résistance triphasée. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM1 se ferme et excite la bobine KM2, celle-ci ferme sec contact de puissance qui court-circuite la résistance triphasée R12 E temps. Après 5 secondes, le contact temporisé de KM2 se ferme et excite la bobine KM3, ses contacts de puissance changent d'état et court-circuit ENT la résistance triphasée R2-3 E temps. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé. Remarque, astérisque une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM2 et de KM1, le moteur s'arrête. Bonjour à tous, Othman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, démarrage statorique 3 temps 200 de rotation. Composant schéma de commande, transformateur 230 à 24 volts, disjoncteur bipolaire Q3, contact NF de relais thermique F1, bouton poussoir NFS1, bouton poussoir NOS2, bouton poussoir NOS3, bobine KM24V KM1, bobine KM24V KM2, bobine KA1 24 volts. Bobine KM3 24 volts. Bobine KM4 24 volts. Contact NO de KM1. Contact NO de KM2. Contact de relais temporisé 5 secondes de KM1 NO, première 100. Contact de relais temporisé 5 secondes de KM2 NO, deuxième 100. H1, première 100. H2, douxième 100. H3, signifier le fonction de relais thermique. Astérisque composant schéma de puissance. Moins 3 linges de phase. Fusible sectionneur tri Q2. Disjoncteur tripolaire Q1. Contacteur KM1, première 100. Contacteur KM2, deuxième 100. Relais thermique F1. Résistance triphasée R1. Le moteur asynchrone triphasé M2. Fonctionnement, astérisque fonctionnement de montage, astérisque une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1 ce qui provoque
son auto-alimentation. Le verrouillage du contacteur KM1 met sous tension le moteur à travers des résistances triphasées R2 et R1. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM3 se ferme et excite la bobine KM3, celle-ci ferme sec contact de puissance qui court-circuite la résistance triphasée R1. Après de 5 secondes, le contact de temporisé de KM4 se ferme et excite la bobine KM4, celle-ci ferme sec contact de puissance qui court-circuite la résistance triphasée R2. La moteur tourne dans la première 100. Un action sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM2 qui donne la même cycle décrit précédemment, mais la moteur tourne dans le sens contraire car il y a une inversion de deux phases du circuit de puissance. Le moteur est alors alimenté sous sa tension nominale et le démarrage est terminé. Remarque. Astérisque, une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 coupe la alimentation de la bobine KM2 et de KM1, le moteur s'arrête.